La Belle Étoile a parfois remplacé la messe du dimanche, ou la messe du dimanche où les gens, avant ou après la messe, se voyaient aller à l'apéro, se raconter les bêtises du village. On est vraiment, comme nous, on le dit même nous-mêmes, Cactus Steglitz, un morceau de Luxembourg. On fait vraiment partie du paysage luxembourgeois. Je suis Laurent Schonkert, administrateur, directeur du groupe Cactus. Manu Konsbruck, directeur du centre commercial La Belle Étoile. Je pense que c'était un défi, et on le voit encore aujourd'hui, d'avoir trois transformations et de ne pas nier l'âme de la Belle Étoile. Ici, je pense qu'on a réussi le défi d'avoir quand même une homogénéité et un cœur dans le centre. On a très peu ressenti l'arrivée des nouveaux centres commerciaux. Tous les magasins sont loués, on n'a aucun souci, donc on a plein de demandes. Je pense que notre centre commercial, c'est quand même un centre qui est beaucoup demandé de la part des commerçants, et on en est très fiers aujourd'hui. Les Américains ont toujours des expressions « no parking, no business ». Donc ça, c'était une grosse nouveauté, 1200 places à l'époque, ce qui était énorme. Il y avait aussi un grand supermarché, et surtout, il y avait cette petite vingtaine de boutiques, parce qu'à l'époque, c'était plutôt le supermarché en solo. Et les boutiques, c'était plutôt l'exception. Donc voilà, un peu une petite restauration aussi. Donc déjà, un peu comme les Français l'ont fait dans les années 60-70 aussi, tout sous un même toit. L'agrandir, on ne va pas le faire. On est assez grand et on n'a plus de place. Mais le but, c'est certainement de faire un relooking de l'ancienne galerie et aussi du supermarché qu'on va essayer de ramener au nouveau standard des nouveaux supermarchés Cactus, parce qu'il a aussi 50 ans sur le dos. Il y a encore du pain sur la planche. Donc il y a quand même toujours une partie un peu plus ancienne. La partie supermarché, comme on l'a fait dans d'autres supermarchés, voilà, elle a aussi un certain âge. Donc c'est sûr que nous nous faisons des idées là-dessus pour les années à venir, pour remplacer une partie du supermarché avec les nouveaux concepts que nous avons déployés au fil des années. Alors, je suis très confiant qu'on sera encore là dans 50 ans, et nous souhaiter beaucoup de succès, qu'on passe bien la crise dont tout le monde parle, et je pense qu'on est quand même très confiant qu'on est sur les bonnes voies et pour partir pour les prochains 50 ans.